Ancien député national et ministre des Sports, Samalou Kondé est nommé Premier ministre par le chef de l'État Félix Tshisekedi. L'ordonnance de sa nomination a été lue en direct de la télévision nationale par le porte-parole du président de la République ce lundi 15 février 2021. À 43 ans, il remplace à ses postes Sylvestre Ilunga Ilunkamba, destitué en janvier dernier par l'Assemblée nationale. Et nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Le nouveau Premier ministre a été jusqu'à sa nomination directeur général de la société minière Gécamines. Fort de sa nouvelle majorité, le chef de l'État Félix Tshisekedi peut désormais appliquer le programme pour lequel il a été élu en décembre 2018. Avec Jean-Michel Samalou Kondé, la taille du gouvernement sera réduite. Pour le reste, nous allons nous mettre le plus tôt en contact avec l'informateur qui va nous donner les résultats des travaux qu'il a fait, parce que ça nous donne les forces politiques en présence et ça va nous permettre de discuter avec les différents responsables. En ce qui concerne le profil, nous allons bien sûr revenir sur des personnes de bonne moralité. Le nouveau Premier ministre n'aura donc pas le temps à perdre face aux urgences socio-économiques du pays. La sécurité à l'est du pays doit aussi figurer parmi ses priorités. La Constitution lui accorde 30 jours pour la formation de son gouvernement.